Salut, nous voilà à bord du Blériot 11, donc ce 25 juillet 1909. Au lever du soleil, nous allons tenter de traverser la Manche. Donc Blériot est parti de cette plage-là pour aller à Douvres. Lui n'avait pas d'instrument, mais il avait cet appareil. Et pour l'instant, je ne suis jamais arrivé à décoller. Donc, on va partir en plein vol d'ici. Donc, voilà. Avec de l'imagination. On imagine en train de décoller de la plage. Donc, on part de la plage et destination Angleterre. Donc, aucune idée de l'altitude. Il avait une moyenne de 100 mètres. Difficile de savoir à quelle hauteur on est. Il est difficile de diriger cet appareil. Alors ce Blériot 11 est en vente. C'est un Blériot 11. Je mettrai le lien en commentaire aussi. Si vous l'achetez directement chez la société qui l'a développé, c'est un peu moins cher que l'acheter sur les plateformes. Alors celui-ci a au moins une boussole. Il y a une autre version avec un autre coloris et avec aucun instrument. Et une autre motorisation. Je ne suis vraiment pas sûr d'arriver au bout. Alors on se déplace grâce aux câbles. Les câbles déforment les ailes, ce qui permet d'aller à gauche ou à droite. Et il y a le palonnier aussi. J'avoue être assez crispé sur les manches. Un autre aviateur avait tenté quelques jours avant lui de le faire et était tombé à l'eau. Un autre aviateur russe devait tenter la traversée, donc il s'est dépêché de la réussir lui-même avant, pour que ce soit un Français qui réussisse la traversée. Le pilotage est réglé sur difficile. Tant qu'à y être, à passer une demi-heure en vol, autant que ce soit réaliste. J'aimerais bien voir apparaître les falaises de Douvres. Il semble apercevoir les côtes anglaises là-bas. Un peu caché par ces nuages. Je fais un tiers du trajet à peu près, j'ai l'impression que ça fait des heures que je vole. J'ai fait les deux tiers du trajet. Je ne sais pas exactement où il s'est posé, j'espère qu'il y a un terrain plein à l'arrière. Alors cet appareil n'a pas de frein. Ça va être simple.
c'est le moment de vérité. Et puis voilà, donc pas de frein, heureusement que c'est pas en pente. Oui, du coup je repars en arrière. Je suppose qu'il faudrait que je sorte mettre une cale. On va poser le pied sur le sol anglais. Et voilà. Mais voilà. Nous sommes en Angleterre. Donc, à bord de ce Blériot 11. Oh, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, je ne sais pas. Mais ça paraissait long. Bon, allez, à la prochaine donc. Il ne me reste plus qu'à apprendre à décoller avec.